العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. سير قوي 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 كده ما بلاد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Alors avant de commencer dans les détails, c'est la manche qui passe ici en bas là. C'est dans le grand flot en bas, donc je monte là-haut. L'important de suivre, c'est qu'il nous projette dans l'écran pour la projection aujourd'hui. Et ça, il est très important, c'est un travail bien technique qui nous a envie de maîtriser une fois pour tout. Non, mais carrément, non, non, non. Et c'est un travail bien technique. Si je me pose quelqu'un une question pour mes autres, je me demande quelle est la différence entre Shaitan et Djinn, ou soit Shaitan et Iblis. Alors peut-être beaucoup parmi nous, nous avons parlé d'une technique comme ça là-haut, peut-être nous avons une information qui n'est pas trop précise, mais il est bon qu'il nous finisse maîtriser sa matière bien, une fois pour toutes. Et c'est sûr de ce soir, il vous consacre uniquement le samantième qui se trouve trouver dans cette table-là. Nous allons prendre Djinn, Djinna et Djan. Vous trouvez qu'il y a une ressemblance dans cette façon qu'il finit construire ce samantième-là. Nous avons le mot Shaitan, nous avons le mot Iblis, nous avons le mot Ifri qui a là qui servi dans le Coran. Et est-ce que c'est un nom ça, ou soit c'est un adjectif, c'est une façon qu'Allah peut qualifier certains manjins. Al-Ma'arif, pareil, c'est un terme, un adjectif qu'Allah peut servir aux manjins. Et qui veut dire ça? Et il y a un terme qui nous bien familier avec lui, c'est Al-Waswas, Al-Khannas. Al-Waswas, Al-Khannas, Allah peut mettre les deux ensemble, et tous les deux ont une signification, et il veut faire référence à Djinn même. Et il y a Al-Qarin. Al-Qarin, qui Allah fait mentionner dans le Coran, mais tout à l'heure, vous pouvez rappeler, nous l'oublions, mais dans le Coran, mais Inch'Allah vous mentionne, mais nous finissons le hadith là, Alhamdulillah. Alors, c'est ça, maintenant, là, qui nous peut apprendre. Djinn, Djinna et Djan. Nous transliterons aussi. Et nous allons apprendre qui veut dire djinn, qui veut dire djinn, qui veut dire djinn. Est-ce qu'il y a une différence entre eux? Et qui va nous la marque indienne? Libyen, on y va ce moment. Libyen, qui va nous la marque indienne entre qui différence est entre djinn, djinn et djinn? Avant de voir dans la définition, nous venons avec le mot djinn avant. Djinn. Il y a trois mots dans l'anglais arabe, puis il y a un quatrième. Tous les trois écrits pareils, mais juste le voyelle qui est la différence. Le ce premier mot, djinn, il prend trois voyelles, djinna, djanna et djunna. Rien? Pas djunna, non. Djinna, djanna et djunna. Avant nous avions djinna, nous venons avec Djunna et Djanna, une fois pour toutes, nous finissons avec lui. Écrire pareil, si on prend un livre arabe, vous pouvez l'envoyer là-dedans, il n'est pas vocalisé, on voit qu'il y a une différence. Qui veut dire Djanna, veut dire Djanna, Djinna, Djunna, qui veut dire. Rien. Alors, Djinna, Djunna et Djanna. Djanna, nous devons Djanna. Rien. Djanna, c'est paradis. Paradis. Et Djunna, qui veut dire Djunna? Djunna, un bouclier. Et on va dire à Siyamo, Djunna, Rosa, c'est un Djunna, c'est un bouclier, c'est une protection contre l'enfer. Mais tous les trois, Djinna, Djanna, Djunna, et là, je te saute depuis même racine. Qui fait qu'on appelle Djanna, Djanna, qui fait qu'on appelle Djunna, ça, bouclier là, qui nous protège nos Rosa, qui m'appelle bouclier. Qui nous protégeons contre l'enfer. Alors, tout est la relation. Tout est la relation. Mais c'est vrai, dans le chapitre, ce qui concerne nous, c'est Djinn.
Donc Jannah, nous prenons Jannah. Nous prenons Jannah. Qui veut nous appeler Jannah, Jannah? Ça va arriver. Qui fait la Jannah, Jannah? C'est un verbe qu'Allah a inséré dans le Coran. Falamma janna alayhi al-layl qala hadha ra'a kawkaban qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbu al-afilin. Fa Ibrahim alayhi salam il trouve la lune claire et quand la nuit est venue une cachette la journée alors en cachette Jannah, il est caché. Tu veux dire? Jannah, le verbe. Jin, Jannah. Il est toujours caché. On va retrouver. C'est clair? Alors, ça cause ça qu'on appelle Jannah, Jannah. Et Jin aussi, il vous vient, Inch'Allah, dans les détails. Donc, il bon, nous finissons avec ça, on va là. Si vous mettez dans le pot, il y a ce qu'il y a. Et les crêpes ont fini avec vous, hein? Allez. Donc, c'est ça, même terme-là qu'il nous va prendre aujourd'hui. Nous venons avec le premier terme, Jin, Jan et Jinna. Nous venons dire ensemble, parce que tous les trois, c'est la même chose, mais il y a une différence. Donc, le premier terme, c'est Jin, Jan et Jinna. En arabe, et considération pour personne ne va faire aucune confusion. Alors, djinn et djinna. Djinn et djinna, quand nous venons du dictionnaire arabe, les djinnous, c'est deux mots. Djinn et djinna, c'est deux mots qui servent pour faire référence à pluriel des djinns. Djinn et djinna, djinn est déjà au pluriel. Jinna aussi au pluriel, c'est des mots. Et ça, c'est un point même beauté dans les arabes. Il y en a plusieurs mots qui pluriel pour une seule petite chose. Par exemple, il y a djinn et djinna. Quand on dit djinn, ce n'est pas un djinn, c'est plusieurs djinn. Quand on dit djinna, il y a djinna qui est un nas. C'est plusieurs djinn, pas un djinn. Alors, c'est deux mots qui servent pour faire référence à pluriel des djinn et djann. Au milieu là, djan, c'est singulier du mot djinn. C'est-à-dire, un djinn, on dit djan. Il dit djan. Non, pas ça, djan là. Djan là, il y a un djinn. Djan. Alors, qui sera là, il mentionne ça en grande quantité? Sura? Sura Rahman. Alors, djinn et djinn, c'est deux mots qui servent pour faire référence à pluriel des djinn. Et djan, c'est singulier du mot djinn. C'est singulier du mot djinn. Si vous avez des difficultés, non, pas de rester là, sinon vous commencez à oublier. Allez. Alors, djan, qui veut dire djan? C'est le premier djinn qui a été créé. Djan, c'est sa premier djinn qui a été créé. Il est même papa de Mandjin. Il est même. Papa de Bandjin, pareil comme Adam alayhi salam, c'est le papa de Band, insan. Alors Adam, mon papa, ton papa, son papa, mon papa. Clair? Djan, c'est sa djinna, son papa, sa djinna, son papa, sa djinna, tout djinn de papa. Pareil comme Adam. Clair en tout cas? Djan. Djan alif non. Djan alif non, djan. Clair? Allah t'y crédit. Djan avant Adam. Il y a même le premier djinn qui a la créé qui s'appelle Djan. Wal Djan khalaqnahu min qabl min nar samum. Allah peut dire dans Surah Hijr, et quant à Djan, nous t'y créions auparavant, c'est-à-dire avant Adam alayhi salam, depuis un diffé d'un chalet ardent. Pareil, quand Adam t'y crée avec la terre, l'idée la terre mélangée avec deux noms. Comme ça même, Allah t'y crée le premier djinn qui t'appelle Djan, qui a l'air d'une amélioration, ou le Djan, khalaqna ou min qab, avant, c'est-à-dire avant Adam, alayhi salam, minna les samoum. Il a. Il a plutôt là. Je vais faire projection depuis. C'est trop loin. Moi, j'ai oublié l'écran. Ouais, j'ai l'écran là. Créant.
Et l'imam al-Harawi, l'idée de tahzib al-lugha. Djinn, c'est jama'a. Comme il y a djinn, c'est jama'a des djinn. Groupe des djinn. D'accord? Et djinn, c'est jama'a des enfants des djinn. C'est-à-dire djinn, c'est mes enfants des djinn. Djinn, hein? Djinn, beaucoup. Djinn, là, c'est ça? Il y a un premier djinn. Et vous voyez tout à l'heure, Iblis, quand vous posez son Iblis. Alors, djinn, c'est jama'a des enfants des djinn. Et le pluriel, c'est djinn. Le pluriel pour djinn, c'est djinn. Djinn, et aussi djinn. Et les djinn ici, djinn, aussi c'est un pluriel de djinn. Donc, djinn, djinn et djinn, tout peut faire référence à banjin. Djinn, djinn et djinn peut faire référence à banjin. Et là-dedans, djinn, c'est sa première djinn qui a la titrée. C'est sa première djinn qui a la titrée. Créant. Et qui fait un peu de djinn? Parce qu'il est seul dans le verbe djanna, djim avec noun, et la shadda le nouna, djanna veut dire cachette. Cachette, c'est-à-dire des personnes qui cachent ne pas trouver. Et vous venez sur la salle là, mais en passant, vous direz, est-ce qu'il y a un djim, moi, dans son défaut? Pas capable? Pas capable de dire dans son défaut? Hein? Bien rond. Bien rond? Qui c'est qui dit ça bien rond? Hein? Cheikh Ibn Baz, il dit capable. Cheikh Ibn Baz est capable. Donc, dans le pays de sauver, cacher, il faut pour transformer, il est capable. Mais, trouver un vrai djinn dans son vrai faux, il est effrayant. Finir la bonne photo, finir la bonne caméra, qui ne m'a pas connu comment appeler ça une caméra, surtout le bonne bordel dans l'Arabie Saoudite. Quand on va en gorge, puis sur les on trouve djinn dans son presque vrai faux. Quand on fait ça, cacher, il est sauvé. Mais exactement comment il a été difficile. Sur le cas, on trouve lui, mais exactement non. Alors, mais pas pour capable. Trop lui dans son vrai faux, c'est un ulama qui est un sazis qui fait à Allah, pas faire nous trouve djinn dans son vrai faux, parce qu'il va un mauvais djinn, nous ne sommes pas capables. Il est, nous ne sommes pas capables, il est effrayant. Donc, en général, lui, un petit chose qui roule ça. Dans son vrai faux, on ne peut pas trouver. Dans son faux, transformé, comment il va venir, Inch'Allah. Dans chaque pic qu'on va prendre, une forme qui se prend, ça va aller vers ses avis. Nous, là, il faut mettre humain, sinon, on va aller. Il n'y a pas mieux, non. Il va prendre forme humain. Il va prendre forme, la moitié humain, la moitié ça. Ça va tout venir, Inch'Allah. Nous, maintenant, nous arrêtons de prendre une petite pause. Nous arrêtons une station. Nous disons l'importance d'apprendre les mots des djinns et chaitan qui vient pour nous connaître une réalité. Et nous connaissons aussi une démagogie, une fausse histoire qui dit qu'on va raconter et pour arrêter un pire. Et pour arrêter un pire. Qui fait un pire? Qui fait un pire? Parce que nous, tous les deux, nous créons pour même l'objectif, c'est quoi d'eau? Allah wa ma khalaq tu l'jinna wa l'insa illa yabudun. Allah fait une révèle une surah en entier dans le Coran, sur la djinn. Et nous connaissons d'awa, Rasulullah, ben djinn, c'est quoi ici? C'est à l'aise, c'est djinn dans ma carte. Etc. Tu as fait d'avoir avec eux. Donc, père ou père, comme Allah, tu as fait d'avoir moi, d'avoir ni pas père, je père, père moi. Alors, ce cachet de bandimoun, donc pas pour eux. Et elle Djan, c'est papa des bandimoun. Les mêmes qui m'appellent Iblis, là. Les mêmes qui appellent Iblis. Et qui fait pour appeler Iblis? Tu as l'air de venir, Inch'Allah. Donc, depuis Djan, il y a djinn et djinna, il y a tout man djinn. Pareil pour le pays Adam, il y a son madame, plus son man descendant, et nous, nous sommes descendants de Adam, aligné à ça. Mais là, ils vont nous faire une petite parenthèse. Le mot djinn, qui veut dire, dans le Coran, on veut dire djinn, ou le djinn, nous khalaqnahu, ou le djinn, nous khalaqnahu. Ça prend le djinn. Allah fait une série de mots-là pour faire référence à une autre petite chose dans le Coran. Djan. Allah vient servir dans le Coran pour faire référence à un type de serpent. Un type de serpent. Donc, il y a une connexion entre Djan qui veut dire djinn et Djan qui veut dire serpent. Il y a une connexion. Qui connexion, non? Ça va passer, nous, si c'est un événement servi ici. Je contemple en forme, c'est serpent. Je contemple en forme, serpent. Il me dit dans la Médina, Sahaba. Djinn, serpent, tu es Sahaba. Le grand nom qui arrive, Ajnabi. Alors, le mot djinn finit aussi servi dans le Coran pour faire référence à un type de serpent. Par exemple, dans le surat 27,
سؤال آية numéro 10 على بيجي عن موسى وألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان على هذا زيت بعضه قال إن زيتي إن تقولي برمي وان بيك شيبا رمي كليا وان شيبا كليا كي نعمي ولا مدبرا من سوري دان دي باس دان سورة 27 et سورة 28 même que c'est même آية même mot alors جان dans le Coran il s'est mis dans deux façons pour faire référence à après-midi qui est un capitaine Iblis, et vous faites référence à serpent qui, dans Moussa alayhi salam, disait de ce bâton, il s'est transformé en un gros serpent. Donc ça, ils vont le finir, comment ça s'appelle, mais ça vient rapide. Donc djinn, c'est, nous dire, c'est une race, un genre, qui Allah lui donne à sa créature, qui lui fait une créature du fait, c'est une race. Pareil, moi, insan, c'est une race, djinn, c'est une race, homme, c'est une race. Ça, c'est une race qui nous connaît. C'est-à-dire, djinn, c'est une race. Djinn, pas nécessairement les shaitans. Djinn, c'est une race. Depuis l'Adam, nous avons un shaitan, nous avons les autres qui vous venez, Inch'Allah. Donc, djinn, c'est le nom des races, des genres, qu'Allah qui donne à sa créature, qui est créé avec un défait, qui est un chaléa, Adam. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah 15, dans Surah 27, Wal janna khalaqnahu min qablu min nari samoum, dans Surah 15, Surah 8. Et djinn, premier djinn, nous t'y créé à partir d'un diffé d'un chariot ordon. Est-ce que je t'en cours, là quand je peux plus, je différerai? Non. Pareil, moi, Adam et Salam, sur l'origine, c'est la terre. Moi, mon la terre. Non, l'origine, c'est la terre. D'ailleurs, mais c'est vraiment une goutte de spermatique qui se vient. Elle a une femme, il faut parler comme ça même. Allah qui servit diffé pour créer le premier. Quand je peux plus entre eux, c'est-à-dire avec matière qu'elle a une créature, sa même matière qui paraît qu'on va dans l'écho, qu'on s'en met dans l'écho des manjins. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, il dit, ben, ange finit être créé avec nous, avec lumière, djinn finit être créé avec un dufé sans la fumée, et une chaleur ardente, et Adam alayhi salam finit être créé avec ce qu'il finit décrit à eux. C'est-à-dire comment Rasulullah décrit alors la hadith avec la terre, mélangée avec de l'eau, l'argile, alors ça c'est façon qu'elle a fini d'écrire. Donc, dans la langue arabe, le mot djinn est dérivé du verbe djanna qui veut dire cachette. À cause ça, il appelle djinn. À cause ça, il appelle djinn, djinn, ou soit djinn. Rien, tous les deux, dans tout ce fond qu'il était là, il saute et il s'appelle la djanna. Il dit la verbe là. Djinn avec nous, il y a un chadalou là. Il veut dire un tissot qui cachette. Un tissot qui cachette. Donc, djinn est cachette, Iblis est cachette, et tout va le shaitan, tout va le djinn cachette. Nous pas trouver. Dans une vraie, dans un vrai forme, ça vient pour trouver. Malgré que chez nous, il y a une possibilité. Bah, alors, c'est une témoignée. Bah, alors, c'est une fin, témoigne. Alors, il y a une possibilité, mais normalement, nous ne trouvons pas dans une vraie forme. Et alors, Allah, il va dire, l'origine du mot djinn, c'est casquette en kitso depuis l'essence. C'est-à-dire, nous ne l'avons pas trouvé. À cause de ça, il appelle djanna, djanna. Parce qu'il est casquette. À cause de ça, il appelle djunna. C'est quelque chose qui nous met nous cachette nous protégeons contre l'enfer. Il appelle Rosa, quelque chose qui nous cachette derrière lui pour nous protéger contre différents enfers. Et Janna, paradis qu'Allah fait préparer, ça ne va pas trouver. Il va dire Mala aïnun rat, voilà odonun, semet, voilà khatara ala kalbi, bachar. Aucun légal va le penser. Comment vous dites cachette ça? Alors ça, c'est ce qui malheureusement fait dire. Il fait qu'il appelle Jin Jin, parce qu'il se dans le verbe Janna avec la cachette. Ibn Maldou lui dit qu'il appelle djinn pour sa moula à cause qu'il est voilé et caché devant Rigor. Il est voilé et il est caché devant Rigor. Donc, d'après le Coran et le Hadith, djinn est une créature invisible. Il appelle djinn parce qu'il est caché de nous léger et nous patrouiller. Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il y a un papa de djinn qui appelle djinn. Et qui fait appeler l'église si vous voulez. Allah dit concernant lui, il dit Ya Bani Adam, La yaftinannakum, ça ayat Qur'an à Malfia, c'est un problème ayat Qur'an, ben qui ne touchait pas problème shaitan, ils vont se connaître ça ayat. Et le tout en général. Ya bani Adam, ô mes enfants Adam, la yaftinannakum shaitan, kama akhraja abayoykum min al jannah. Créant aux enfants Adam, puis shaitan partant d'eux, pareil, ils vont les faire retirer. Je ne parle pas, je ne parle pas, les jannah, Adam et son madame, yanzi'u anhumma libasahumma. Quel est-ce qu'il fait? Il fait Abbas, dans les vêtements. Vous connaissez ça? Quand Adam et Salam et son madame se mangent, elle a dit qu'il y a une dieu. Elle a dit qu'il y a une casquette.
Alors, les yurihuma sawatihima, pour montrer de partie privée, de nudité, innahu, écoute bien, innahu yarakum huwa, wa qabiluhu min haythu la tarawnahum. Par exemple, ça répond là, les catégories, ils vont là pour nous, nous pas pour ça. Et nous n'avons pas de présent. Rien, pas besoin d'être pire. Pas besoin de frissonner. Rien, Allah n'a pas pire, c'est pire. Pire nous. Rien. Alors, il n'a pas de yarakum, ban la, yarakum, huwa, li, le bus, wa kabilu, et ce génération, ce matribi, tout djinn trouve nous, sans exception. Nous ne battons pas. Clair? Mais nous, quand voilà le manage de Trégor, il vous venez, Inch'Allah, un précaution qui nous aime. Donc, wa kabilu, min haythu la tarawnahum. Ban là, je trouve nous, clair, depuis une place qui nous n'a pas trouvé. À cause de ça, nous avons beaucoup pris précaution. Clair, quand nous sommes petites choses, quand nous passons une place, nous disons telles affaires, nous disons que c'est lui qui nous dit ça quand il dit ça, telle place. Non, il faut faire des titos. Alors, la marque de cause concernant Mme Majari, elle n'y a, quand nous sommes déreçus, nous sommes saletés, le poisson a dit, bismillah, c'était. Clair, attention, pas le crase d'un ce petit baba. Alors, quand son madame, il se dit, il vous guide, et là, vous guidez. Alors, ça cause ça, il y a bismillah, le tout, l'autre petite chose. Notre protégé, pour le balade, je te l'ai mal. Alors, lui et ce tribu, et bien, je trouve depuis place, qui ne pas trop banal, nous faisons désir, ban shaitan, comme allié à ban qui parfois, inna ja'alna shayatina awliya, l'illadina la yu'minun. Vite bien, sans exception. Kafir, tout kafir, je presque possédé maintenant. À cause ça, tout le monde boule dit, autant vol. Rien. Presque tout kafir possible. Parce que tout kafir est un shaitan qui collé avec lui. Nous aussi, nous venons, Inch'Allah. Si nous n'avons pas qu'on décolle, rien, nous pas qu'on décolle, il est collé avec lui. Alors, tout kafir, sans exception, nous finissons un shaitan, mais je ban Ali. Donc, djinn, c'est une créature qui, Allah fait créer, et non plus, qui c'est un microbe. Comment certains disent? La science est un microbe. La science dit, c'est un microbe. Mais nous, nous parcourons dans la science. Alors, les mots djinns, les mentionnés dans le Coran, les mots djinns, djinns, hein, les mentionnés dans le Coran, dans 20 des places, dans 11 sourates. Dans 20 des places, dans 11 sourates. Commencez par sur l'Anfal, et c'est celle sur l'An'am, c'est celle sur la qui n'a plus le mentionné djinn. Et la dernière sur la qui est mentionnée dans le Coran, c'est sur la djinn. Dernière place qui est mentionnée avec les mots djinn, hein, djinn, djinn, nun. C'est dans sur la djinn. C'est dans sur la djinn. Et les mots djinn, qui peut faire référence à djinn, pas serpent, il est mentionné 5 fois. Les mots djinn, qui peut faire référence à djinn, pas serpent, il m'a donné 5 fois et mon atout là. Et ça, ça dossier là, ça, Inch'Allah, mon cas, il y a le groupe ça. C'était la même occasion. Ça dossier aujourd'hui là, djinn, 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 iblis, ifrit, marit, karin, ça va être là, ça, Inch'Allah, tout de suite après le son, mon cas, si elle dit, qui le groupe m'a dit, je vais vous gagner, man qui prend pour rentrer, je vais faire des ventes rentrer, je vous gagner, Inch'Allah, vous allez, et vous allez, vous channel aussi. Vous mettez le mot channel, et là, vous êtes capable. Gagner facile. Donc, 5 fois, il mentionne les mots djinn dans le Coran, dans différents surahs, clair, dans 4 surahs. 5 fois dans 4 surahs, dans un surah là, dans un surah là, des fois, il mentionne djinn, qui veut dire djinn, clair. Et les mots djinn, qui veut dire serpent, c'est des fois. C'est des fois, il mentionne dans le Coran. Donc, ça n'est pas trop concerné. Et les mots djinn, il mentionne dans le Coran 5 fois. Par exemple, dans le surah 11, Allah dit l'amla'anna jahannama min al-jinnati wa al-nasi ajma'in. Vous remplissez jahannam avec un jinn, pluriel des jinn, et un insan. Et dans surah sajda, l'amla'anna jahannama min al-jinnati wa al-nasi ajma'in. Vous remplissez jahannam avec jinn, et un insan. Clair? Et, wa ja'alou baynahu wa bayna al-jinnati nasaba. Banna, une cause concernant le lien de parenté entre Allah et le djinn. Ça va là, ça. Maintenant, il y a un lien de parenté entre Allah et le djinn. Et par exemple, ça, le Coran, il y a Iblis et Anse. Comment Ibn Abbas. Et là, alors, nous ne pouvons pas prendre la masse à terre, mais nous devons dire la confiance dans le baptiste. Bien? Mais chaque fois, on passe là en bois. Est-ce qu'il y a Iblis et Anse ou pas? Est-ce qu'il y a Iblis et Anse ou pas? Bien? Alors, dans certaines, on va dire, dans tribus.
des djinns, des balances, il y a une tribu qui s'appelle djinn. Il y a une tribu qui s'appelle djinn, à cause de ça, de dire Iblis, c'était un ange, et non pas un djinn, mais ils ont pris faux, donc ils tiennent. Ils tiennent djinn, ils partent un ange. Clair? Alors, ce maladien, c'est pas pour faire pourrèche. Pour faire pourrèche, mais c'est pas quand on fouille encore le matin de près, pour faire pourrèche, il veut dire c'est un ange qui tifie Allah. Donc, par exemple, le gars dire, ici, djinn, c'est un ange. À cause de l'Iblis, il y a un ange. Donc, juste pour ne pas mettre confusion dans la tête, connaissez la masala des divergences. Iblis, c'est un ange, c'est un djinn. C'est pas un ange. Clair? Ensuite, dernier place, quand Allah mentionne djinn, c'est un djinn, il a dit, Wana, dans le surat Nas. Qui a dit ça dans le surat Nas? Dernier. Dernier, il a dit, Wana. Alors, je vais essayer de protection pour djinn, qu'il soit djinn ou bien humain. Qu'il soit djinn ou soit humain. Donc, ça, c'est djinn. Deuxième mot, il nous faut étudier aujourd'hui, c'est shaitan. Shaitan. Donc, le rang djinn, c'est la race qu'Allah a créée. Par exemple, insan, ange. Je comprends. Djinn, insan et ange. Là-dedans, ange, il crée avant. Ensuite, djinn et dernier, insan. Ange, il crée avant. Ensuite, djinn. Ensuite, insan. Donc, djinn, c'est une race. Par exemple, insan, c'est une race. Ange, c'est une race. L'éclair, là. L'éclair jusqu'à là, bien. Clair? Maintenant, shaitan. Qui veut dire shaitan? Quand on prend le mot shaitan, clair? Nous vous trouvez qu'il est dérivé du verbe shatona. Shatona. Qui veut dire shatona? Shatona dans la langue arabe veut dire ba'oud. Ba'oud. Ba'id. Ba'oud veut dire loin. Un truc qui est là, éloigné. Shaitan. Veut dire Ba'ouda et tout qu'Allah éloigné. Allah éloigné de qui chose? Sur Rahman, maudit. Allah maudit lui. À cause ça, appelé Shaitan. Et Shatana veut dire aussi désobéir. Qui veut dire Shatana? Nous revenons avec le verbe. Shatana veut dire désobéir. Voilà le verbe là. Shatana veut dire désobéir. Shaitan, tu désobéis à Allah? Oui. Ça veut dire Jahanna, là, le premier. Tu désobéis à Allah. Donc Allah l'appelait Shaitan, maudit. C'est lui qui est éloigné de Rahmat Allah. Allah est éloigné de tout du bien, puis il n'a du bien dans lui. Puis il n'a aucun du bien dans lui. Il dit, wow, Shaitan, tu es noir, pas. Il a le corrigé par il. C'est bien? Parce que les Simons soient disant, tu montes un bourreau là, et tout, toi aussi. C'est pour ça qu'il nous va se dire. Dans la langue de Shaitan, c'est ça. Alors Shaitan, il dit, Ba'ouda. Et veut dire désobéir. Alors, tout djinn qui désobéit à Allah, appelé Shaitan. Clair? Déjà quoi? Donc, là, à la race, il y avait le djinn. Dans djinn, il y a bon et moi, mauvais. Ben, mauvais, appelé Shaitan. Ou soit appelé par les autres thèmes qui vont venir, Inch'Allah, le Mahabit, l'Ifrit, etc., etc. Clair? Alors, ça, c'est Shaitan. Donc, ce n'est pas des races différentes. Djinn, c'est la même race. Shaitan, c'est la même race. La différence qui est là, dans un shaitan, il y a un kafir, il y a un mauvais, il y a un désobéissant, pareil pour un insan, il y a un bon et mauvais. Ou un insan, il y a un mauvais, il y a un shaitan. Ça, pour qui nous désobéit à Allah, c'est shaitan, hein? Nous désobéit à Allah, mais nous shaitan. Clair? Alors ça fait, ça shaitan. Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, au cas dit, hein? Cheikh l'Islam dit, rahimahullah ta'ala, dit, wa shayatin hum maradatul ins wal jin. Man shaytan, man shayatin, c'est man rebelle parmi man insan et man jin. Man shayatin, qui fait l'appeler shaytan sa jin, parce qu'il parmi man rebelle parmi man jin et parmi man insan aussi. Parmi man insan aussi. Ces enfants des Iblis. Man shaytan là, sa man jin là, sa man shaytan là, ces enfants des Iblis. Iblis, le premier djinn qu'Allah t'appelait Djan. Le premier djinn qu'Allah t'appelait Djan, qui fait appeler Iblis si vous venez, Inch'Allah, va appeler ça. Clair, c'est ça, non? Allez. Cheikh Ibn Baz dit Shaitan, il est de Bidjin. Shaitan, il est de Bidjin. Et c'est un rebelle et un mauvais pour le djinn. Vous espérez qu'il a pris l'explication plus claire que ça. Shaitan, il est depuis le djinn. C'est un rebelle et un mauvais pour le djinn. Ça va être mauvais là, et là parmi qui sont kafir pervers. Donc tout mauvais pena, il va laisser pas kafir. Il a un mauvais djinn, il est shaitan, mais c'est pas du pas
Ta vie paraît comme un bon insan, mais un mauvais insan, puis l'appelé chétan, il dit pas qu'à. Ta vie est stupide. Ça veut dire que ce jour-là, il vient technique, comprenez une fois pour tout. Comprenez une fois pour tout. Et sur l'utilisation du Coran, Allah fait servir dans plusieurs façons. Moi, je prends trois façons qu'Allah fait servir. Avec Dhamma, Kasra et Fatha. فأزلهما الشيطان عنها. Allah veut dire dans la Baqara. Peu de temps après, Shaitan vient faire mal là, Adam et Hawa glisser du paradis. Qui est ce Shaitan là? C'est un qui appelle Djan. Il vient qui appelle Iblis. Clair? Alors ça vient utiliser dans sa façon. Ensuite, il dit, ouais, ça là, il est très important. Et ça vient de passer, nous dire que ça, ces choses deviennent l'opia, soit prévention, prévention et traitement. Ça vient de passer, qu'est-ce qu'il nous dit? Comme prévention, qu'il nous dit? Et voilà. C'est tout, Fadja. Clair? Alors, mon madame, je vais vous dire, elle a fait de le rater. Je vous dis, je vais vous rater. Elle a fait de le rater, ça va nous passer. Et comment vraiment le rater, vous savez, finalement. Ça, vous faites bien. Nous avons dit, tant. Vous ne pas ni faire bien. Clair? Vous n'avez pas ni un autre qui fait. Clair? Moi, on sait que vous faites bien. N'importe qui s'en a envie, très vite, faire ma question de prévention, venez au nous. Mais rupia, vous pas faire. Clair? Rupia, vous appelez, vous venez, Inch'Allah, quand vous faites. Hein? Quand vous posez le rupia, vous posez qui fait ou avec rupia. Qui fait ou avec rupia. Alors, apprendre, venez faux. Faire rupia vous-même. Alors, personne ne va téléphoner moi pour venir faire rupia ou ça, il vous vient contre moi. Il vient contre moi, il prend le dossier, allez, vous venez. Ou ça, vous voyez, il prend, il y a la fin à faire. Et pour nous, d'Allah, il vous fait les filles, Inch'Allah, Inch'Allah. Clair? Alors, faisons la moumé chéton. Donc, nous disons, bon frère, bon soeur, pas qu'il soit là. Pas qu'il soit là. Nous perdons sa masse dite là. Il faut dire qu'il est assez rempli. Parce que beaucoup de gens ne sont pas là. Je vais mettre les sons. Nous attendons, nous faisons qu'il est rempli comme ça. Nous attendons, nous faisons, c'est tout le monde. Parce que si nous usons du monde, nous essayons de faire un peu de temps. Il faut dire, pas de temps, il faut dire, 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 et très attention. Par grand lit, pas tiré. Donc, ça, c'est le premier rouquin, c'est quoi la main, c'est tout la main, Fadja. Deuxième rouquin, wa man ya'ashu an dhikri rahman, nous qayyid lahu shaytan. Fahuwa lahu qarim. Kalali muni qarim. Celui qui écoute lui, écoute bien. Et celui qui écoute lui du rappel, vous voyez, il est en train de dire en trôle, du rappel, du ar-Rahman, de Allah, nous qayyid, nous désigne pour lui un diable, un shaytan. Dans ta scie avec qui faut voir le Karim, les vignes sont compagnons inséparables. Avec blanc, quand vous êtes arrêtez. Clair? Il va vous faire un plan, il va faire la main. Pour qu'elle en soit. Qu'elle en soit, qu'elle prenne les vocations. Non, pas faire ça. Et vous venez, Inch'Allah, dans le chapitre, comment dit vous affecté pas? Bah, je dit cette année. Et dans ce aussi, il dit. Et non, toi-même, tu as la faute. Toi-même, tu as une crise de trou pour toi. Alors, si nous prenons la bouche et pas. Et quand on vous pose à l'Ouaswas al-Khanas, je vous trouve l'important vikrullah dans la vie. Il peut être nous avant de péter là. Ben diable là, putain, on est là. Je vous fais droit contre moi, mais vous pouvez tout contre vous-même. Que faire? Nous vous donnons une anti-shaitan comme prescription aujourd'hui. Nous ne l'avons pas dit. Nous retirons. Ben frère, al-Khan, plus facile à faire, astaghfirullah. استغفر الله سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله الله اكبر avec tout l'ombrage il va vous poster avec tout l'ombrage il n'a pas pour poster et nous venons dans une petite parole d'Ibn Mas'ud رضي الله عنه qui dit j'ai dit qu'il dit qu'il dit qu'il dit qu'il dit et Allah subhanahu wa ta'ala dit وَحِذَّرْ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَعْلِي sur la sofa afin de protéger ce qu'on tout diable rebelle. Alors ça c'est trois façons qu'Allah vient servir avec Dhamma, avec Kassra, avec Fakha et Kassra. Shaitan, Shaitan, Shaitan. Et pluriel, Shayatin. Pluriel, Shayatin dans le Coran, qui est la fin série. Clair? Et ça, il y a de la manière, à un numéro 110 dans la Baqara, Allah dira non, Shayatin. Donc, on voit tous les quatre formes qui est la fin série, les mots Shaitan. Avec Fakha, avec Dhamma, Kassra et Fakha, et au pluriel. Wattaba'u ma tatlu Shayatin. À la mulki. سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر من كلا كيف يسوس الريتشونال من كلا كيف يسوس الريتشونال
Regardez. Kouf. D'ailleurs, c'est kouf ça. C'est pas comme à dire hein, une façon qu'on pousse vengeance. Ça. Vous sortez en dehors de l'islam. Vous sortez en dehors de l'islam. Et Haddou Sahid, d'après la chaleur, c'est ce que ce que c'est coup. Et vous venez, Inch'Allah, dans le chapitre, comment vous connaissez le sorcier ou bien non? Comment vous connaissez le sorcier ou bien non? Puis quand vous décrit, Masha'Allah, il y a un sorcier qui est là-bas, son gros tas namaz, son gros tesbir, il y a un sorcier comme ça, ou soit il applaudit le sorcier comme ça, avec son badou, avec son attardien concentré. Comment vous connaissez le sorcier par sorcier ça? Nous vous donnons une main, nous vous donnons une main d'indice, Inch'Allah. Comment vous connaissez ça, sorcier ou bien? Ou bien, Al-Ban qui est dans la sorcellerie. Attention, ma diversité dans sa qualité du monde qui est dans la croix. Tout quoi, musulman dans la société, si tu gagnes le droit pour non dire, tu vous prends l'eau, tu vous dis, mais pas gagner le droit. Je vais écouter. Il y a d'autres conséquences. Vous êtes là, vous m'avez tout chayanté, vous allez mourir Suleiman. Vous m'avez dit, voilà Suleiman, Suleiman va venir faire couf, voilà qui ne chayanté dans la croix. Mais, ben, chayanté qui vient faire couf, il fait, il y aura les mots dans la société. Si enseigne la sorcellerie, so, bien même pour un islam, pratique la sorcellerie, c'était ça. Couf avec so, on va dire ce décès. Si enseigne sorcellerie, c'est couf, pratiquez. Pas couf, prie encore. Prie. Alors, j'ai dit, mais on ne va pas prendre, j'ai fait sorcellerie, je dis, mais on ne va pas prendre pour ça arrive. Il y a des analyses ici. On va le faire, on va le faire. Rien. Alors, tous les découvres. Enseigner et à dire qui qu'un fait que qui qu'un. C'est là, c'est pour faire très, très attention. Le troisième terme, c'est Iblis. Le troisième terme, c'est Iblis. Et juste pour donner l'information, on a dit Zislo. Zislo, Iblis. C'est un mot là. Qui fait qu'on appelle Iblis, Ablessa, Yoblisso, Moblisso, dans le Coran. Et les mots qu'on fait, l'étude du Coran. Et là, il y a un sujet qui maintenant est dans le gravier, parce que là, le cas demandé. Et là, il y a un livre, il y a une cisée qui appelle. Non, pas au Louvre, pas au Louvre. Non, pas ça. Je finis de lire. C'est là-haut, vous êtes fait à la pleine main, vous êtes fait à la cisée là. Je prends mon mot pour un, je casse votre poids à vous. Allez, ce qu'elle est, on rappelle peut-être qu'on a donné le message, mais mon portable là-bas. Un sujet maintenant, on va se faire plein maillon, un petit peu assisé là. Dans Razak Mohamed, si tu veux faire assisé là, très important, ça n'y a que tafsir, tafsir. Allez, les mots Iblis. Un point mentir qui est là, qui est servi dans le Coran pour faire référence à la race djinn, c'est Iblis. Mais Iblis, un seul djinn qui appelle Iblis. Fais-le déjà. Un seul djinn. Qui appelle Iblis, c'est sa même djinn qu'Allah appelle Djan. Sa même djinn qu'Allah appelle Djan, premier qu'il était créé. Ensuite, il est connu comme Iblis et Djan aussi. Il est connu comme Iblis qui fait Ablessa. Il se dans le verbe Ablessa. Qui veut dire Ablessa? Ablessa veut dire une personne stupide. Elle dit stupide même. Tout ça, malin, c'est malin là. Il est un gros stupide. Clair? Il finit coupé de tout. Et quand Iblis, Ablessa veut dire un genou qui est coupé de toutes choses. Tout bien fait. Puis là, non, il est bon là. Il est silencieux et il est confus. Le chaitan, il rentre dans le silence, parce qu'il est déconcerté et il est confus. Il rentre dans le confus. Ça, ce côté-là, il mystique ça. Clair? Et une personne, l'Iblas nous dit, de pitié à Allah, c'est une personne qui vient désespérée. Le chaitan, il est désespéré. Puis il n'a pas fait Allah. Il maudit, comme Allah dit dans Surah 30. Verset numéro 12, voyons, on va ساعته يبلس المجرمون. Et Zou qui, lui, a pu venir, va un criminel pour frapper par désespoir, le désespoir. Ah, ben ça, يبلس au mot, blis, veut dire un djinn qui frappe le désespoir, désespéré. À cause ça, on appelle Iblis. À cause ça, on appelle Iblis. Donc, Iblis, c'est un être qui part, il n'a aucun du bien dans lui. Et depuis ça, on appelle le premier djinn, papa de tous les autres djinns, Iblis. Premier djinn, papa de tout djinn, lui-même qui est Iblis là. Lui-même qui est Iblis, il est encore vivant. Et lui, vous c'est carrément parce qu'il y a un contrat avec Allah, je connais ça. Il y a un contrat pour aller vivant. Mais sinon, un djinn, il ne sait pas mort. Un autre djinn, il ne sait pas mort. Clair? Il vous venez, Inch'Allah, s'il veut continuer, etc. Il vous venez, Inch'Allah. Alors, premier djinn qui s'appelle Djan,
Lui-même, c'est Iblis. Il appelle Iblis parce qu'il y a un mot divin et une coupée de tout bien fait. Ibn Abbas lui dit, hein, Iblis, Allah une couplie et éloigné de tout du bien et il vient faire lui-même un chéton maudit comme punition pour sa désobéissance pour manger le tercer de ton mari. Donc Iblis, c'est le chef des mandines qui lui aussi connu comme Jan, papa de mandines, pareil comme Adam, c'est papa de man, Insan, Iblis lui-même le premier djinn qui Allah t'y crée. Et c'est lui-même qui te vient ordonner pour faire sept dates pour Adam. Ensuite, il vient réfuser. Wa yaqulna lil malaika tisjudu li Adam fa sajadu illa Iblis aba wa stakbara wa kana min al-kafirin. Alors, ça, il y a le Coran, en fait, on va dire qu'il y a un gros volume, et assez moyen. Et là, ça va s'arrêter en détail, mais pas pour y rendre la langue. Parce qu'il y a un Coran qui est répété carrément dans cela. Kahab, kana min al-kafirin. Dîner fait ça par un ami rabbi. Il dit pas mes mandines. Il vient faire pouf, il vient faire fils avec l'autre de cela. Il vient désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Ibn Taymiyyah lui dit: les shayatin sont maradatul insi wal jin. Man shaytan, c'est man rebelle parmi man insan et man djinn. Et tout djinn, ses enfants de Iblis. Tout djinn, ses enfants de Iblis. Donc le chef là, premier qui a la tigre là, il s'appelle Djinn. Il vient désobéir à Allah. Il appelle Iblis, et depuis lui-même, il gagne la population de tout le monde dans le djinn, il y a bon et un mauvais. Il y a bon, il y a mauvais, il y a kafir, et c'est qui? Désobéissant, rebelle, ça c'est djinn. Clair? Jusqu'à là? Maintenant, nous allons mettre l'autre terme, c'est le terme qu'Allah a servi, Ifrit. Dans le surah Al-Nam. قال إفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. كريم. Je connais un peu l'histoire de Suleyman عليه السلام dans Palestine, dans Beit al-Maqdis. Il sortit le matin après Fajr, après les Duha. Il est versé, il est versé pour ban. Ban dimanche jusqu'à Zawal. Jusqu'à Zawad et Suleyman, le salam, le connaît, Manzan, mot sous-saut, se contrôle, il se fait comprendre en gaz des Manzan, aux oiseaux, fourmis, etc., etc. Ensuite, quand Hulhud il disparaît pour un moment, il est allé, il voyage dans les escapés de ce côté-là. Yémen, en bas, dans le sud du péninsule de l'Arabie, en bas, là-bas, dans une base qui s'appelle Saba, qui connaît comme la reine des Saba, et qui connaît dans le texte comme. Bilqis, on met Bilqis. Hein? Bil en bas. Bilqis. Clair? Nous, déjà Bilqis. Hein? Alors, quand vous nous dites dans l'escalade, vous trouvez un appui à deux au soleil, vous avez un diable de post-pola, une madame qui est le chef du pays, etc. etc. Quand madame lui rapporte ça, Suleyman, l'instant, finalement, comment le dire, un dialogue entre lui et Suleyman, l'aide Suleyman a volé, etc. etc. Quand vous nous décrivez ce arche, clair? Et il finit d'y aller. Vint contre Suleyman et accepte l'islam, vint musulman, il finit d'accord. Quand il fait venir, où Suleyman propose pour amener son âge, ce trône, clair, il dit qui c'est là qui est capable d'amener son trône là, il est là, qala ifritum min al djinn. Un parmi ban djinn, ifrit, un parmi ban djinn, un djinn. Qui veut dire ifrit, un djinn redoutable, très faux. Très faux. La tafsir Ibn Kathir vous dira comment il faut. Il dit mon point toi le trône de Bilqis avant qu'il te lève de ta place. Avant qu'il te lève de ta place. Qui veut dire ça? Elle dit qu'il se casse après Fajr, les Duha, il lève les Awal. Elle ne veut pas le faire. Les autres qui battent, elle se passe là. Elle dit Fajr, nous dit Fajr, il y a des Awal. Il y a un bel temps là. Un avion pour Yémen, facile de venir dans Jeda. Moi, est-ce qu'il s'en va? Dans Palestine, là-bas. Mais c'est pas un avion là. Ça a un bon mandin là, tiens, moi, prends-lui mon mini. Trône là, je vais passer le plastique là, non. Un trône, c'est lourd, parce que comme on décrit dans son mandat, et la maladie de son mandat, c'est lourd, une grosse affaire. Dis là, d'abord, prends-lui mon mini. Avant de vous lever, là, de vous finir avec le trône là. L'un et l'autre, dis non, moi, comme l'un, il y a le tête de l'Ileka, avant de le dire, battez, ouvrez, comme ça, les filles. Quand t'es faux, je fais ça. Qui calque faux, je faux. Alors,
l'ifrit min al-jinn, il n'est pas un djinn à corps, un autre race, c'est un djinn, mais c'est moi qui viens. Celui Ibn Kathir dit, un rebelle comme un djinn qui t'appelle Kauzan. Ça, ifrit là, il dit, un rebelle comme un djinn, rebelle, qui t'appelle Kauzan, et là, il dit, il est très solide comme un montagne. Il est solide comme un comme montagne. Claire, ça va passer jusqu'au début de la cause. Claire, si comme un djinn, on fait petit parti, pas au de la carte. Claire. Si tu m'as dit qu'on fait un massage, peine à la scarde ou la négligence, la santé, la musique d'en haut, et la fine cigarette, tu vois, rincez. C'est pas un bon cigare, on dit là, et vous vivez en bas là-haut pour dire bon, bon, bien sûr. N'a pas un badin en dit. Je tout dit monde, je fais dit aux enfants, pas qu'on est comme fan, Joe, ma mère, si vous faites, parlez. Si vous faut, comment vous faites? C'est pas la masse. C'est un cas. Créer. Mon ami, mon potard, mon père appelle exactement ça, c'est Diman, un peu comme un sahaba. C'est Diman, et comment nous gagnons protection avec eux? Comment nous gagnons protection avec eux? Alors je prends quand même déjà, il y a des préventions. Il dit, si tu lis ça, ayat là, l'Allahu la, ilaha illahu al-hayyu, al-qayyum. Allahu la, ayat al-kur, celui qui parle ayat al-kursi, à la 26, ou à 6 tous les jours, ou à 6 ou après ayat al avec le cours. Un maillot apprend. Un point de meilleure prévention. Et pas cette prévention, un point de meilleur traitement. C'est-à-dire, Coran en entier. Comme le chef Fauzan, chef Fauzan, il y a qui a rien pour voir le Coran ou bien ses bouquins. Mais seulement, il y a un ayat spécifique qui lui fait l'effet spécifique. C'est-à-dire, un ayat qui cause sihr, la sorcellerie, cause djinn, cause shaitan. C'est-à-dire, alors il y en a un effet spécifique. Alors, ça, comment gagner protection? Et l'effet qui nous cause prévention, c'est le mot que la loi a dit. Que les respecte ce que la loi a dit dans Yémen. Il dit, si vous acquidez de Tohi, et n'a la couche à la dent, et n'a moins ici à la dent, l'effet fait, je n'ai pas ma police. Après, l'acquidez bien. Et un problème dans l'aspect de l'acquidez, c'est le monde des dîners, je n'ai pas. Si vous connaissez bien, fait quoi dire, bah, mon morceau d'un boxeur. Il a envie de faire la boxe. Le diable est un tel opposant. Un tel accent, un bail se dans Venezuela là-bas. La foule à la boxe. Là, on sait l'état. Moi, la fin de bon, c'est dans les palmarès, c'est le poste-là. Il pouvait être champion dans l'Amérique du Nord, sud, tout l'Amérique du Nord, depuis le début. La voix de mon palmarès dans les conseils. Quand il y a un cas comme ça, vous avez des bails à vous basculer comme ça. Bah, moi, je commence à passer sous les épaules et une côte sur la tête. Hein? Si on apprend qu'il y a des rats, soit on réquille, soit on réquille, soit on réquille, soit on affronte. Soit on affronte. Maintenant, on entraîne le football qui va étudier tactique l'équipe là, qui tactique les yeux, 4-3-3, 4-3-DN, soit on va étudier tout le monde. Pour faire 5, nous 5, nous 5 loguer, un avant-poète. Apprendre ce tactique qui fait pour attaquer. Pour qu'on soit pointé pour attaquer. C'est en ligne comme ça. Shaitan dit comme ça, si on n'a pas connu ce point faible, il connaît le point faible. Comment il connaît? Il est étudié, où est-ce que tu as c'est Facebook, Shaitan ou Facebook, tu vois. Shaitan, tu sais pourquoi sur Facebook? Oui, mon moi, il m'a demandé de causer l'eau là. Shaitan, tu sais pourquoi sur Facebook? Causer l'eau là. Shaitan, tu sais pourquoi sur Facebook? Alors, fais très attention. Donc, ça c'est Ifri, un djinn rebelle. Le terme qu'Allah a servi dans le Coran, c'est Al-Waswas, Al-Khannas. Dans qui sera? Sera Al-Nas. Sera elle? الناس دائما صلاة القرآن قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس دي أدزيتيف كي الله إندونيسي دي كاليفيكاتيف الوسواس الخناس كيف يجوز الوسواس كريم إمام القرطبي قال الوسواس الخناس الشيطان عن جين غبر سواء كافر سواء مؤمن يعني غبر يعني شيطان سواء غبر سواء كافر Kafir, parce qu'il a dit, Shaitan, mais c'est pas les kafir. Il y a une mauvaise, il prie bien. Alors je vais dire, Al-Waswas, ou bien Al-Waswis, c'est celui qui soufflait et inculqué dans la poitrine de l'homme, ma pensée, ma idée qui parle réelle. Même si il y a Waswas, il soufflait dans la poitrine, dans le pays. Ça, à cause ça, il appelle Waswas. Ou soit Al-Waswis. Soit Waswas, comme Allah l'a appelé dans le Coran. Soit il connaît comme le Mouaswis, c'est celui qui souffle mal pensée, mal mauvais désir dans toi. Hein, et ainsi de toi.
Clair? Alors, Al-Khannas, qui va nous appeler Al-Khannas? Al-Khannas, c'est un adjectif pour Shaitan, mais seulement qui donne nous l'avantage. C'est celui qui sauve quand un insan gagne mal de mauvais pensées et il fait vite pour Allah. Clair, ma fille? Comment Shaitan, il va dire d'une manigance de l'esprit, il commence à mettre mal à la. حول ولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله أعوذ بالله كلام استغفر الله لا حول ولا قوة إلا نعم أكوساتي لسوبي قدر قدر نعزان إلي تنسو إلي تيابيتي لسوبي كلام إلي تيالي تيابيتي لبيتي لسوبي وما أنا أشعر بحديث إيكو ما فيني لأجي دلي تومي أكوساتي لبوي تيا شيطان لسو إيه بان لدي علي دعا يمو بي علي Vous me sacrifiez. Vous ne pouvez pas me Non, il se sauve. Ça qui est bon. Ça, c'est un point faible. Il y a des couleurs, mais il se sauve. À moins que vous m'ayez dans la case, quand vous venez, il y a ce trône. Il y a ce frisidé, il y a ce friseur, il y a ce manger, ce bois, il y a ce guigui, il y a ce malade tout le monde. Là, il ne peut pas parler. Mais c'est moi qui se sauve quand vous avez vu Allah. Et parmi les meilleurs vides, c'est pour le Coran. Il n'est pas capable aussi pour le Coran. À cause de ça, il veut dire, les sauver depuis la case qu'il y a sous là-bas, là, quand même. Ça, après, qui vient de l'appeler le waswas et le khannas, parce qu'il est waswas, mais les khannas, yuhannis, quand il fait des couleurs. Allah subhanahu wa ta'ala, il va dire, oh, que c'est mon bel khannas. Non, on va pas suivre, on va avoir une planète qui disparaît après qu'il y a parlé. Le mot le point là-bas, qui veut dire khannas, yuhannis, mais il disparaît. Disparaît. À ce qu'il dit ça à la case, il trouve qu'il fallait ce que ça me tâche, ma halle. Hein? Il y en a tout là-dedans. Tout il y en a. Et vous voyez, tous les jours, il passe devant. Tantôt là, il passe devant nous tout là-bas. T'as l'air qu'on dit, c'est pas vous dormir avec Shaitan, enfin, madame qui vous dormez en lit. C'est pas vous dormez dans le lit aux enfants. Ça, à l'air qu'on est, ça. Mais c'est mal, il finit dans la carte qu'il nous a mangé. Il finit qu'il mange. Quand si on finit manger, on finit dîner, il finit qu'il mange. Il finit qu'il boit. Vous voyez ça, il passait, ici il y a une manne ruelle, pour aller vous dire, il déboute devant la côté de tout le monde, il y a tant. Si pas de bismillah qui fermé, on va toujours rentrer dans le salon, ça pose. Correct? Pas de bismillah, manger, je vais dans la table, je vais manger. Ça a dit, c'est le sourd, moi. Salomon, moi, ça veut dire, vous, ensemble avec vous. Ou dégoûter, ou vous, je vais boire avec l'autre. Alors je vais dire, ici, il vient manger, il vient boire, il vient m'habiller, tout, à lui. Ici, il ne va pas gagner, il ne va pas gagner, moi. Alors, créer avec Allah, en grand. Quantité. Et me dire que la qui est plus facile, c'est bis. Bismillah, la force de bis. Bismillah, et comment Shaitan tarot avec bis. Bismillah. Et dernier, si mon rapport est le dernier, ça, non, je vais m'en aller. Karim. Karim vient appellation pour un type de Shaitan, un type de djinn. Et plutôt Shaitan. On espérait que nous allons appeler dans le djinn, et un bon, et un mauvais. Dans mauvais, bon, 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 d'abord. Il y a assez de temps, bon, il y a 4-5 mamans contre moi. Vous m'avez dit, maman. Charles, maman, pour une chance. Bon, il y en a mauvais. Dans mauvais, là, c'est des carafis, c'est qui pire? Pire, pire. Dans carafis, là, c'est il y en a Yahoud, il y en a Nasara, il y en a Hindou, il y en a Madras, il y en a toute religion qui existait. Il y en a Shia, Raouita, Ahlul Bida, clair? Comment chez Olissam, il mangeait. Il a chié à l'offre d'or, pareil pour moi. Il a chié à l'offre d'or pour moi. Insa. Karim. L'issue dans le verbe Karana. Karana veut dire attaxé. Faire une compagnie. Attaxé. Karim. Claire. Tout insan. Écoute bien. Tout insan, sans exception, il a un Karim qui reste avec. Qui veut dire Karim? C'est un djinn. Un shaitan qui reste avec. Il n'est pas dans les couilles. Lui, comment dire, un bodyguard. Mais ce n'est pas un bodyguard. Lui, comment dire, un moteur de Yahoo, faire des obéissances. Combien de résolutions? Ça veut dire Karim. Alors, Karim, c'est le nom, plutôt caractéristique de sa djinn, qu'il y a un shaitan, un djinn kafir, qui vit avec chaque humain, et c'est lui qui inspire l'homme pour suivre son passion et désobéir à lui. À chaque fois qu'il tombe dans la désobéissance, prenez au Karim, il est déçu. À chaque fois que vous désobéissez à Allah, peu importe quelle qualité de désobéissance il y a, il y a une sainte désobéissance, il y a un petit péché, il y a un grand péché, que les droits d'Allah Karim. Hein? Quand il a fait, il a fait, il a fait. Clair? Alors, on rentre dans ce lac,
Après, il y a une personne qui dit, Rasulullah dit, pas une personne. Parmi eux, excepté qu'il y a un conjoint djinn et un conjoint ange ensemble avec lui. Un ange tout le temps avec vous. Pas un ange qui est clair là, hein. Un autre sens. Un ange conjoint et un djinn conjoint. Clair? Maintenant, il demande, est-ce qu'il y a avec vous aussi, il y a Rasulullah? Il répond, oui, avec moi aussi, mais seulement Allah, aide-moi contre lui. Et alors, il vient accepter l'islam. Et il n'y a pas au-delà de moi, excepté ce qui est bon. Ça, exception pour Rasulullah, ça, mais toi. Non. Et il est la même comme Al-Qut Burji. Ou soit Al-Qut Poussari. Ou soit Al-Qut Banki. Pour l'appeler ça, Banki Fedora. Avec deux Banki Fedora. Hein? C'est dans le code Banki Fedora. Vous pouvez mettre dans mon archive, dans mon dossier. Banki Fedora. Banki Fedora. Qui m'a dit encore Banki Fedora? Vous êtes? Le Carmen. Non, le Carmen, ça trop avancé ça. La Miyaji. Alors, quand on a le côté, moi, on rentre, dans mon sentier, dans mon assemblage. Hein? Comment il a dit comme ça? Vous pouvez voir un Superman, héros, non, c'est héros. Il n'y a pas qu'on règle ça, là. Comment il a dit comme ça? À ta voix, Karim. Au Karim, il assiste devant la porte. Les guettés, quand on rentre, quand on sortit, qu'il est, il fait appel. Les qui transmettent l'information, sorcier, sa djinn qui travaille, tout ça va pour venir, Inch'Allah, ça termine là. Pas déclenche ton héros avec tout un zéro. Ça va nous pousser à vie, ça va nous mettre à dire qu'il déclenche qu'on est là. Rien. Alors, ouais, il y a un qui sort qui vraiment est là, dans où, dans la case. Les noms, mais où tombe dans la sauce. La même qui nous dit, il y a un qui sort qui est important, après ce chapitre, il y a un qui sort. M'a demandé, m'a détecté, m'a demandé. Et il vous venez, Inch'Allah, parmi les signes, comment nous détecter eux, c'est un à travers ça. Comment il y a un faux concernant une petite chose, qui personne n'a pas connu, excepté où, et peut-être même du monde qui est dans l'entourage, même du monde proche, lire en informe, comment tu nous connais ça, toi? Comment tu nous connais ça? Il y a des façons de te connaître ça. Clair? Je te connais ça à travers la Karina. Clair? Je te connais ça à travers ça. Karina. Qui reste avec nous là, ou soit je prends ça à travers sa shaitan qui lui travaille avec lui là, sa sorcier là, sa miyadi là, sa gourudi là, et là, après pas qu'on m'a dit à payer encore, sa shaitan qui lui travaille, on est lui communique, après ça, elle lui m'a fait ça. C'est là, ma shaitan, je vais nous venir, Inch'Allah, quand nous faire baptême du sorcier, comment je vais faire baptême, quand je vais aller joindre dans Maurice, dans ma place, quand je vais aller, tout mon sorcier vini. Et il va gros boss Shaitan venir, et il va dire aussi ça, Shaitan, il montait là où l'église, le grand boss, et n'a pas capable de prendre le ministre, même dans le privé. Lui-même, il descend. Clair? Lui-même, il descend, il venir, et là, le sac tribu, il a un chef qui communique avec la roue là, il ne peut pas qu'il va monter, quand être un petit lément, un petit lévé, mal, côté de la route, avant que le roue là, ça va, manifeste la mort. Non, si tu es là, où tu peux aller? Comme ça, Shaitan, il monte, Shaitan, il monte. Alors, Sakaline, soit l'idée de nous donner l'information, ou bien, bah, les chétans qui montent un lolo, mais des oreilles dans les chétans, dans des lèvres, ils ont bien écouté les étoiles. Retour, même les chétans, ils disent, mais t'as le filant. Oui, il y a le filant, mais c'est pas lui qui écoute. Il est bien parti. Il y a cette réponse simple pour dire, maintenant, mettre mes oreilles, tendez comme ça, je finis. Peut-être, avant, Allah peut causer un ange avec Allah, je finis, capter cette information. Elle a mis la l'échelle scellée maintenant. Ce n'est pas qu'il monte. Ce n'est pas qu'il monte dans l'échelle. Elle ne dit pas qu'il monte, pas qu'il monte à travers l'échelle. Rien. Mais longtemps. Alors, une scellée pour tout l'échelle. Donc, je finis qu'aucune certaine information. Quand on descend avec l'information là. Rien. Fait qu'on a un peu de Dadi, c'est là-haut. Dadi, bien bêta, elle dit maman, ça. Asté, un lit pour l'amour. Le toit, c'est pas la même. Mais normal, il finit, il dit pour l'amour, mais soit. Rien. Les enfants, quand ils viennent en bas, quand ils donnent l'information là, quand ça est en bas, ils donnent l'information à ceux-ci là, dans 10 l'information qu'ils donnent, ou ça, dans 100 l'information, ils vont dire 1 V 99. Et on croit, ça 99 là, parce qu'elle l'a fait. Tu vois comment ça travaille? Ça, c'est pas bien. Et le dernier terme pour aujourd'hui, le chat dernier, elle mérite, dit pareil, quand Karine, c'est un terme, un adjectif qui a l'air servi pour un type de chépan. Comme ça même, Al-Mari, c'est un thème qui a la fin de vie pour un djinn, pour un djinn. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le surat 37, « Inna zayyanna s-sama'a dunya bi zinatin il-kawakib. »
وحفظ من كل شيطان ما ريد سيلي لا لي سيلي سيلي جو باغي مونتي الله تي نو فين ديكو لي سيل لو بلي بروش كي لي سيل بلي بروش سي نو دروبي لا نو فين ديكو لي افيك مان زيتوال afin pour protéger lui contre tout diable rebelle longtemps se fait les monter tant qu'on gagne pas chose de une source de source moi mi pour solina on dit à où la cause affaire là et on dit à où ça en cala en soi va se baiser tu vois les gens hein attends c'est ça là chez quoi bouillon ni crayon y a pas vrai même car on suit un peu dans ma tête mais c'est moi qui t'en prie pour casser la bite pour dire bordeaux et dégoût hein. En management, alors ce qu'ils ont fait, c'est que le monde s'est caché pour gagner l'information. Alors que le Wahib va me couler, le chef, quand il marie, il nous fait une protéine contre tout diable rebelle. Et nous avons fini, il nous fait une protéine avec 20 étoiles de tout le chef, quand il rebelle, arrogant et maudit. C'est-à-dire que moi, je suis fini ce temps, il y a lance, c'est toi. Tu as besoin de toutes les étoiles. La lecture des étoiles fait filant. C'est un peu de étoiles, filant. Clair? Alors ça, c'est moi qui l'a. Ça, c'est le chef, marie, qu'elle a fait un peu dedans. Dans ce livre, donc ça c'est l'antienne, clair? Djinn kaka, devant l'antienne, tout finit mon chien, djinn, djinn nadjan, shaytan, iblis, ifri, tarin, mari, al-waswas, al-khannas. Ça c'est l'antienne qu'elle a fait servir pour faire une référence à la race des djinns dans lesquels il y a bon et mauvais, bon, bon, mal musulman, clair? Dans le mauvais, il y a un musulman et un kafir. Dans le musulman, il y a un pays, il y a un désobéissant et un kafir, kafir. Et dans le kafir, il y a toute religion qui existait, l'eau, la terre. Toute religion. Vous m'avez trouvé dans l'islam, vous ne savez même pas, mais djinn aussi, il y a sa bonne religion. Voilà, ça c'est une explication de notre deuxième session pour ce soir. Un thème et une différence, Inch'Allah, sans autre gagner, vous m'avez dit, noir sur blanc. Je finis parce que vous avez dit tout à l'heure. Vous venez chez le groupe. WhatsApp Masjid, et ma sœur qui a une grande responsabilité de section madame, assez de responsabilité pour ma bizarre, on a l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont le groupe Michel, qui parlent le groupe madame, pourquoi tu parles avec le groupe madame? Non, non. Alors, ce qui est responsable côté madame, de faire le nécessaire, Inch'Allah, et pour le mot passe, le mot channel WhatsApp, Inch'Allah, Inch'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, alors je viens de dire, troisième ou quatrième jour, nous dirons, sois là, le matin, qu'il soit là. Pas qu'il soit là, quand il n'est pas qu'il soit là, pas qu'il soit là pour un diamant. Souvent, les fois, quand tu fais des choses, soit là, on dit tiens, les affaires ici, personne ne peut revenir, pas pour vie, mais c'est mort. Si un dimon ne peut pas se réveiller dans soit là, il ne peut pas se réveiller dans digne. Digne, c'est soit là, c'est digne. Digne, c'est soit là, c'est digne. Si vous seriez dans soit là, vous seriez dans. Donc, vous dites, et dans tout soit là, si vous êtes dans ma soirée, vous pouvez dire, mais le sol, là, le sol, puis diamant, quand vous avez dit, puis les mettre là, c'est lui qui me fait soit là. En congrégation de l'enfer, il est en responsabilité. Allah, parce que l'Adkar qui nous fait après, ça déjà qu'il nous donne aujourd'hui, pas qu'il demande l'Adkar, il y a quatre types d'Adkar qui est Moussalah, Rahimallah, dans la Lydia, un musulman n'a pas le droit de quitter, ça quatre à ça. Matin et soir, après Salah, et avant l'eau, avant l'eau. Et c'est tout le monde qui fait cosmode sur là, avant l'eau, il y a une loi spécifique, les moyens de dire ça, pour faire cosmode. Et un point de signe que nous nous possédons, ou soit lui, on sorcellé, c'est ce qu'il fait cosmore. Souvent, c'est ce qu'il fait cosmore. Souvent, tout ça là pour venir, Inch'Allah, tout ça va être simple. Là, ben, l'indication là, Inch'Allah, Inch'Allah, la semaine prochaine, nous vous cause concernant, comment ça s'appelle, man type de djinn qui est là. Man type, catégorie de man djinn qui est là. Et ensuite, les bilans pour l'enseigner. Pour savoir qui est content, qui n'est pas content. Et avant de parler, il y a un rafraîchissement, il y a un gâteau, et il y a un beau sinon. Bonne à la peau. صلى الله عليه وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته